monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un colis à déballage spécial parce que c'est un abonné qui me l'a envoyé. On va déballer ça, je sais pas du tout vraiment ce qu'il y a dedans. Là vraiment je sais que c'est un abonné qui me l'a envoyé, donc c'est le monde des gamers. Tu m'en avais parlé que tu m'allais m'envoyer un colis, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que c'est que tu m'as envoyé. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne, très important, à la cloche de notification et de laisser le petit pouce bleu, voilà. Allez, sans plus attendre, on va aller ouvrir le colis. Qu'est-ce que c'est que je vais avoir là-dedans? En tout cas, c'est gros. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? C'est quoi? Si je dis que ça fait 25 cm, tu dis quoi? Moi, je sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est une figurine. C'est la figurine de Assassin's Creed Valhalla. Valhalla, ouais, c'est ça. Ouais, c'est stylé, ça. Regarde. Putain, Sony, high-tech. Non, il y a... On va faire un zoom dessus vite fait, voir un peu. Oh, ça a l'air stylé. Montre à l'intérieur, montre... Attends, je vais le déballer, je vais l'ouvrir. C'est bien, carrément de chez Ubisoft. Moi, c'est... Alors, j'en ai jamais eu, c'est vraiment la première fois que j'en vois une. C'est un collector, ça. C'est collector. Ouais. Je me l'ai déballé un peu... Alors là, il y a un truc, voilà, ça. Donc la petite brochure. Voilà. Ça s'inscrit. Et là, derrière, forcément, je vous cache, il y a le code, donc je ne vous montre pas. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Nala, tu fais quoi? Tu es tranquille, là? Oh, le carton, à chaque fois. Et comme je vous ai dit... T'enfermes dans le carton. Comme je vous ai expliqué chez Noix, sur la vidéo de Noisette, à chaque fois qu'il y a un carton d'emballage, elle se met dedans. Elle est là, dans le carton. Et voilà, un chat, un colis, un chat, les potes. C'est la seule mère, elle s'en fout parce qu'elle a l'habitude. Elle est tellement habituée, ce chat, il est tellement habitué que... Je crois qu'elle rentrera plus jamais dans le carton. Bon, allez, vas-y, on ouvre ça. Je vais plus attendre, c'est bon. Par contre, comment... Accroche-le pour voir un peu... comment tu vas pouvoir faire. Tu as l'envers, je crois, non? Je sais pas. Non, il y en a deux. Vas-y, prends, sors-le doucement. Mais je crois que c'était le carton qui était lourd, mais en fait, non, c'est pas le carton qui est lourd. C'est la... Non, c'est la figurine qui est lourde. C'est la figurine, ouais. Mais what the fuck? Ouais. Oh, putain. A few moments later. What the fuck? Elle est lourde. Allez, montre-la, présente-la. Là. Il y a tout qui bouge et tout. Présente-la. Mais je vais. Elle est grosse, non, non, j'ai jamais vu ça. En sachant qu'on a eu un petit accessoire en plus, donc. Je sais pas. Bon, bref, il y a ça. On le présente là, le truc bien assassin avec le. Non, avec le petit coffret de pièces d'or. Ah, vraiment, c'est un truc de fou là. C'est... Petit personnage high-tech, franchement. Je vais mettre ça où moi là? Ben, je te dis, on va acheter une vitrine. On va, avec tout ce qu'on. Abusé, avec les trucs qu'on reçoit. Tu vois le détail du grain, de la finition et tout, c'est impressionnant. Ben là, je peux pas vous faire le zoom parce que j'ai pas envie de zoomer, mais regardez en fait. Même les cheveux. Si vous voulez regarder. En fait, elle est high-tech, elle est vraiment stylée, la... La ceinture... C'est vraiment tout qui est stylé. Détaillé, en fait, t'as tout qui est... Non, franchement, c'est stylé. Franchement, rien à dire, elle est vraiment sublime. Ouais, il y a le détail des pièces et tout, c'est un truc de fou. Même les pièces, elles sont gravées. Elles sont gravées à l'intérieur et tout, mais c'est un truc de fou. Toutes les pièces, elles sont gravées avec le logo de... De la confrérie, on dirait. Ouais, on dirait, ouais. Franchement, je sais pas quoi dire, merci. C'est la première fois que j'en vois une, je suis choqué. De aussi grande taille, c'est la première fois que j'en vois une, je pensais pas que c'était aussi gros.
Et mais merci beaucoup. Je ne vais plus me refaire des colis comme ça parce que j'ai peur du reste. Sachant que tu es en plus habitué à jouer à ce genre de jeu. C'est mon jeu préféré. Et tu as regardé le film il n'y a pas longtemps, on l'a encore regardé ensemble. J'ai le livre aussi d'Assassin's Creed, donc du coup, c'est ma série préférée. En fait si j'ai bien l'impression, là, c'est que tu es un collector. Ouais. T'as le jeu, t'as la figurine. C'est collector. Ouais, franchement, bien. Vraiment bien. Bon, bah, en tout cas, Antoine, je te remercie, mais t'es un fada parce que c'est la première fois que je vois une figurine aussi grande que ça. Et je suis choqué du résultat parce que les détails, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les cheveux, il y a le moindre détail de cheveux. Là, le moindre truc de la cape. Mais regarde, même là, c'est gravé sur le. Sur la cape et tout, il y a vraiment le détail dessus. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez à la caméra, le petit détail là qu'il y a partout. Mais c'est impressionnant, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, ben, je sais pas quoi dire de plus. Merci. À part un grand merci. Par contre, Antoine, évite de faire des cadeaux comme ça parce que là, j'ai peur d'avoir le reste. En sachant que ben, c'est vrai que c'est ce qu'il y a. Donc forcément, voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu et puis pensez à laisser un commentaire si vous aussi vous avez des figurines comme ça sur une vitrine ou sur une étagère ou quoi, voilà, si vous en avez. Et puis si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse d'avoir des figurines comme ça. Et puis voilà, je vous mettrai le lien dans la description de ce produit-là, pour ceux qui le veulent, parce que je vais forcément trouver. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye!